Si. J'emmène Marcello en ville. Voir la pièce de Machiavelli. Ezio, ça fait 3 semaines qu'on ne la joue plus. Je l'ai ratée. Nous allons voir ta sœur. Tu peux veiller sur Flavia. Si, bien sûr. Nous serons bientôt de retour. Ciao, amore mio. A più tardi. Sois prudente. Flavia, tesoro, ne t'éloigne pas trop. Lei gentile, papà. Rentre vite, Flavia. Je ne vois pas quoi ajouter. Je suis désolé. Je ne veux pas être mêlé à ça. Aidez-moi à comprendre. Comprendre quoi? Comment les guider pour rebâtir mon ordre? Non, tout ça est derrière moi. Finito. Je crois qu'il est temps de vous en aller. Ezio, elle a fait un bien long voyage. Shao Jun, je le prononce bien. Voulez-vous partager notre repas? Grazie. Bien. Notre chambre d'amis est libre. Vous pouvez rester quelques jours. Qu'est-ce que tu as? On dirait que mon passé me rattrapera toujours. J'ai ouvert ce chapitre de ma vie trop tard, Sophia. J'ai toujours su que le temps me prendrait de court. Et aujourd'hui, je crains que mon heure ne soit venue. Sors d'ici! Le vent! Il a poussé la porte! Fuori! Ah!
Doibushi. J'ai eu tort. Si. Il est temps de t'en aller. Je m'appelle Ezio Auditore. Lorsque j'étais jeune, j'étais libre, sans en être conscient. J'avais l'avenir devant moi, sans le savoir, et j'étais aimée, sans m'en rendre compte. Il m'aura fallu 30 longues années pour le comprendre. Je voudrais avoir ta clairvoyance pour aider mon peuple. Il y a si longtemps que je suis un assassin, Jun. Je sais qu'à tout moment, on peut venir me tuer, ou tuer ma famille. Tu vois, j'ai le devoir de me montrer prudent. J'engageais habituellement des gens lors des vendanges pour cueillir le raisin. Mais... Entra, nous allons manger quelque chose. Je suis pas certain de faire 3 saisons avec ça. Suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. C'est joli, non? Piena di vita. On a assassiné la moitié de ma famille ici, juste là, il y a 45 ans. Mais aujourd'hui, en voyant régner toute cette vie, je ne ressens pas de rancœur. Je suis heureux que toute cette souffrance se soit estompée. La vie d'un assassin n'est que douleur, Jun. On la subit, on l'inflige. On en est témoin, tout en espérant qu'elle disparaisse avec le temps. Une terrible ironie, Jah. Mais c'est ainsi. Allez, je pense qu'il est temps que le vieillard regagne sa villa. Andiamo! Mon mentor souhaitait te rencontrer. Nous avons quitté la Chine, en secret. Mais ces hommes... Ils l'ont rattrapé à Venise. Qui sont-ils? Des serviteurs de l'empereur Jia Jing. Je suis née concubine, mais mon mentor m'a libérée très jeune. Nous avons voulu sauver les autres filles, mais elles étaient... L'empereur est un homme cruel. Il inflige le Ling Qi à ses ennemis. Le Ling Qi? Un supplice. Des milliers d'entailles. Puis la mort.
Prépare tes affaires. Vous allez chez Machiavelli ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un malentendu. Très bien, je me dépêche. J'ai combattu les Borgia. Seule la vengeance me guidait. Et j'ai voulu m'en prendre directement à leur chef. Et puis, avec le temps, j'ai appris que ceux qui inspirent la peur ont plus de disciples que ceux qui prêchent l'amour. Tuer Rodrigo et Cesare n'aurait servi à rien si je n'avais pas agi dans un esprit de fraternité. J'ai passé de longues années à apprendre aux autres à penser et à agir par eux-mêmes. À Rome d'abord, puis à Constantinople. L'amour est le lien qui unit notre ordre. L'amour de nos prochains, des cultures, du monde. Bats-toi pour cultiver ce qui inspire l'espoir et tu gagneras la confiance de ton peuple. Cela prendra du temps. Une éternité. Si tu t'y prends bien, si. Va te reposer. Voyage, n'est-ce pas? Mais il y a tant à voir en chemin. Merci, mentor.
Tiens, ça pourra te servir un jour. Non ? Seulement si tu es perdu. Tu dois partir. Si. Nous serons rentrés au coucher du soleil. Tu aurais dû rester à la maison. J'y suis, justement. Repose-toi, attends-nous ici. Al diavolo, je déteste cette ville. Je serais mieux à Rome. On dit que là-bas, les filles sont comme du Sangiovese, encore sur la vigne. Alors qu'ici, Firenze. Je doute que Firenze soit le problème. Prego. Coraggio, vecchio. Mais repose-toi. Lorsque j'étais jeune, j'étais libre, sans en être conscient. J'avais l'avenir devant moi, sans le savoir. Et j'étais aimé, sans m'en rendre compte. Il m'aura fallu 30 longues années pour le comprendre. À présent, au crépuscule de ma vie, cette vérité s'est muée en ravissement. L'amour, la liberté, l'avenir, jadis abondante, ces richesses me donnent la force d'avancer. Et l'amour les domine toutes, mia cara. Pour toi, pour nos enfants, nos frères et nos sœurs, et pour le vaste monde qui nous nourrit et jamais ne cessera de nous surprendre. Je serai toujours à tes côtés, mia Sofia, pour l'éternité. Ezio Auditore.